Abonne-toi et active la cloche. Hi, mes choubidous. Je reviens de course. Je reviens de Paris et je reviens de course. Alors, je vais vous montrer les courses que j'ai achetées. Tout d'abord, j'ai acheté chez Auchan deux petites galettes à 3 euros. Galettes individuelles, frangipane. Franchement, 3 euros. Je mangeais une. Elles sont bonnes jusqu'au 11 janvier. Voilà, donc super. Trop contente. Sont bien, vous avez vu? Cas où vous n'auriez pas vu. Alors ensuite, j'ai pris la lessive, je l'ai payée 7,45, c'est une recharge, mais je prends que celle-là. Maison verte aux huiles essentielles bio, spéciale peau sensible, on peut faire 30 lavages avec, elle est vraiment super. Je n'achète que celle-là, je vous la recommande, c'est l'arbre, la maison verte. Ensuite, j'avais envie de manger des abricots en plein hiver. 1,59 €, j'en ai acheté 3, 6. Oui, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Pourquoi pas? Hein? On ne peut pas se faire de plaisir. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Tibadibadou, tibadibadou, badibadidou. Alors, soupe, vous savez bien, je mange une soupe tous les soirs, ceux qui me suivent. Légumes variés, moulinés légumes, je préfère celle-là que celle de Monoprix. 1,15 €. Du coup, j'en ai pris d'autres. Moulinés bio 2,45 et 2,25. Bio, moulinés 10 légumes 100% ingrédients naturels. J'aime bien, mais sans plus, mais j'aime bien. Celle-là, je l'ai goûtée, moulinée de légumes, je n'aime que les moulinés. Vous allez dire, je pourrais me faire de la soupe, mais je suis toute seule. Donc, j'ai pas trop envie. Par contre, j'ai envie de religieux au chocolat. Mais j'ai payé 2,95 € les deux. Alors là, je vous dis que ça. Hein. Le week-end, elles vont être mangées. Hein. Ensuite, j'ai pris des farcis aux anchois olives. Alors, j'adore les manger comme ça et j'adore en donner à Ivy parce qu'Ivy, elle joue avec, elle les planque. Et après, il faut que je les cherche. Après, c'est tout noir parce que je ne les trouve pas. Mais au moins, elle joue avec. Elle adore ça. Et moi aussi. Et ce sont. J'hésite d'acheter la marque Auchan, mais là, il n'y avait que ça. Voilà, mais je les connais. Hein. Mais j'hésite, hein, je ne vous cache pas. 39 centimes le sel. Qui dit mieux? Et voilà. Ensuite, mon petit sac que j'adore, que j'avais acheté en solde il y a longtemps, au moins 2 ans, et je l'ai payé 7 euros. Et franchement, il est super pratique. Vous voyez? Bon, on n'achète pas le sac. Hein. De toute façon, j'ai décidé de faire attention. Alors ça, c'était à 4,25. J'ai payé 4,25, alors que sur le petit caisse, c'était 3,15. Sur le truc. Alors je leur ai dit, écoutez, ça commence à bien faire, j'en ai marre, c'est toujours sur moi que ça tombe. 3,15, c'est pas 4,25. Alors elle m'a remboursé. Voilà. Mais cette fois-ci, maintenant, je fais une photo, comme ça, je ne me prends plus la tête. Les croissants, franchement, 1 euro. 1 euro, les 4 croissants, ils sont bons jusqu'au 11 janvier. C'est parfait. Non? Regardez. Alors, j'ai pris des jeunes pousses, c'est pour faire cuire. C'est pour mettre avec mon poisson. J'ai pas envie d'acheter des épinards, des laver et tout, c'est le bordel. Donc, je vais juste enlever la tige. Et je vais faire cuire ça avec du poisson. Je ne sais pas si je ferai des recettes parce que j'ai mon vitre céramique qui est là. Je m'en suis pas servi. Non, pas vitre céramique, mon induction qui est là. Je ne m'en suis pas encore servi. Mais voilà. Mais en plus, je m'en sers. Et je vais m'en servir. Donc, du coup, voilà. Épinards. Donc, je me ferai peut-être au micro-ondes parce que j'aime bien aussi. Donc, je vous ai dit. Alors là, franchement, 3,99 € des filets de limande. C'est rare. Hein. Je ne sais pas d'où elles viennent. À consommer jusqu'au 12 janvier, pêché par chalut, Seine, mer du Nord. Déjà, on sait que c'est pas l'Angleterre, hein, parce que c'est interdit l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, avec le Brexit, maintenant, c'est des Anglais, quoi. Gros bisous d'ailleurs à quelqu'un. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis en Angleterre. J'ai Maria qui voulait venir, qui est une Italienne, qui voulait venir en février, mais malheureusement, je ne lui ai pas encore répondu, mais je sais que ce sera pas, ce sera non.
Quand elle veut, mais pas tant qu'on est dans le Covid, tout le machin, tout le bordel. Alors, pâte coquillette, 1,20 €. Ça, c'est quand je suis feignante. Et là, croyez-moi que je suis feignante parce qu'il va falloir que je me repose. Parce que mon bras, mon dos. Ah ouais, j'ai un lumbago. Et comme une con, ah, les lumbagos, tout le monde pleure. Normalement, c'est une douleur horrible, hein, je vous assure, c'était horrible. Hein. En fait, j'en rigolais. Je sais quoi cette douleur? J'ai jamais connu une douleur aussi forte. Et du coup, je rigolais. Au lieu de pleurer, je rigolais. Et je sais que c'est douloureux, hein, c'est n'importe quoi, ce lumbago. Mouchoir blanc, 3 épaisseurs, j'ai payé ça à 1,29 €. Des citrons. J'ai repris des petits sachets comme ça pour 79 centimes les 3 et que je vais mettre direct dans mon sac. Comme ça, je m'en sers pour mettre les fruits. 1,50 € de tomates. Alors, je vais finir les miennes, mais voilà. Je n'ai pas envie de sortir, hein, je ne vous cache pas. Ça, j'ai payé ça 1,65 €. C'est du sopalin. Alors, vous savez pourquoi? Parce que mon fils avait acheté celui-là. Et je trouvais qu'il était super. Mais ça, c'est moi qui ai mis le rouleau dedans. Hein. Moi, je mets les rouleaux après dedans, hein, je les garde. Hein. Mais là, j'en avais plus. Alors, du coup, je trouve que c'est sympa comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est super joli celui-là aussi avec des fleurs. Donc, j'ai pris celui-là. J'espère que ce n'est pas des œillets. Non. Non, ce n'est pas des œillets. Je déteste les œillets. Non, ce n'est pas des œillets. Je crois que c'est des glaïeuls. Ensuite, du poisson bah, que je vais congeler, j'espère que je peux le congeler parce qu'il faut que je regarde si c'est possible. Pêcher en mer de Norvège, au ligne Hamson, non, c'est pas marqué ne pas congeler. 3 €. Ça, bah, j'en mange tous les jours. 1,80 €. Tous les jours, je mange une tranche. L'air d'un meur où je fais un meneur. Bon, ben là, j'ai utilisé le petit sachet parce que moi, j'arrive pas avec les sacs en plastique. Hein. C'est un monsieur qui me l'a ouvert. Hein. Donc, ça, j'ai payé ses 99 centimes les 6 bananes. C'est des 4 Gendish, mais je m'en fous. Franchement, la dernière fois, j'ai goûté celle que j'adore de Guadeloupe et j'ai pas apprécié. Alors, l'autre fois, j'ai acheté du gruyère, comme ça, mais du gruyère, comment dire, du gruyère râpé, mais casino, dégueulasse. Du coup, là, je préfère acheter la marque Entremont. C'est du comté, j'adore. Il y en a 2 paquets, c'est parfait. Jusqu'au 8 février, je l'ai payé 2,35 €. Ça, si ça ne vous dérange pas, je le mets tout de suite au congélateur. Haricots verts, pommes de terre, champignons et lardons. Franchement, ça a l'air super sympa. En plus, ce qui m'a intéressé, c'est parce que produit. Ce qui m'a intéressé, c'est quoi? C'était marqué dans 3 minutes, mais c'est pas ça en fait. Bon, c'est pas grave, je vais mettre au congélateur. J'ai acheté. Ah ouais, faut que je vous raconte l'anecdote. Je vous raconte. Hein. C'est où? Voilà, regardez. À Intermarché, elles sont super bonnes. Hein. C'est des vrais endives au jambon. Regardez. Je les ai payées 2,35 € et je me suis dit, waouh, ça c'est top. C'est des vraies endives et ça a vraiment le goût de l'endive au jambon qu'on fait à la maison. Produit français. Je me suis dit, Sybille, s'il te plaît, achète-en 4. Et j'ai vu mon ex-mari, j'ai dit, si tu y vas, tu m'en achètes tant qu'il y en a. Il y en avait 6, si fait que je me suis retrouvée avec 10. Donc j'en ai plein qui sont au congélateur qu'on peut mettre au congélateur. Celle-là, je vais la garder. Mais je vous le recommande à Intermarché, c'est trop bon. Ensuite, des mangues. 1,50 € la mangue. La dernière fois, j'en ai acheté, je me suis régalée. Je me suis dit, Sybille, reprends des mangues. Elles sont trop bonnes et c'est très bon pour la santé. Et moi, j'en mets dans. Vous verrez, je vais faire une recette bientôt, je vais vous la mettre. J'en mets dans beaucoup de trucs de salade. Pavé céréales amandes noisettes, 1,95 €. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon. On a fini. Ma coquille Saint-Jacques, il n'y en avait plus. Parce qu'elles sont délicieuses. Et comment dire, et pour le jour de l'an, je voulais en acheter, il n'y en avait plus. Mais ils ont fait exprès, hein. C'était individuel, elle est à 2,95 €, c'est une tuerie, je vous les recommande à 1000 %. À l'Armagnac, elles sont trop bonnes. Et je commence à avoir mal au dos. Enfin non, au nerf sciatique, ou de merde. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi. Voilà.
Comme ça, vous allez voir derrière, vous allez voir un petit peu Paris défiler. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis I love you, je vous dis, je te quiero, ti amo. Bye bye. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, je suis fatiguée, j'ai très très mal au bas du dos. Comment vous expliquer? En fait, c'est ici que j'ai mal, là. Il faut que je me repose parce que là, il m'a fait quelque chose d'incroyable. Hein. J'aurais jamais pensé pouvoir bouger comme je bouge là. Parce que je ne vous cache pas que je ne pouvais pas du tout bouger. J'ai pas pleuré parce que j'aurais pu pleurer tellement c'était douloureux. Mais j'ai jamais connu une douleur aussi violente. Même la contraction, même quand j'ai eu mon opération du sein, que j'ai eu de la morphine, ce que j'ai eu là, ici, là, le lumbago, je ne savais pas que c'était aussi douloureux. Mais d'un autre côté, j'en ai rigolé. Parce que la douleur était tellement puissante que je ne connaissais pas et j'en rigolais. Je dis, mais putain, je ne peux même pas bouger, je ne pouvais même pas aller aux toilettes faire pipi. C'était une horreur. Là, ça va mieux, mais je sais que je vais me reposer parce que je dois me reposer. Voilà, sur ce, je vous dis, cette fois-ci, bye bye. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis plein de bonnes choses et je remercie Chris pour le montage qu'il va faire. Je vous aime, je vous dis I love you, je te bénis, je te quiero. Abonne-toi et active la cloche.